Ce soir en live à l'oreille qui gratte, et on aura encore un morceau tout à l'heure, une reprise. Fred, c'est toi qui compose toutes les musiques? Je compose toutes les chansons, guitare-voix en fait, et ensuite
pour le travail ensemble, tout ce qui est arrangement, chacun a donné un petit peu sa touche. Et puis on est en train de travailler de nouveaux morceaux, on travaille un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on part de zéro tous ensemble, au lieu que j'amène déjà les morceaux composés. Et on évolue dans ce sens-là pour mélanger un petit peu les deux, c'est enrichissant. D'accord, très bien. Et les textes, quand tu les découvres, tout de suite, tu te dis, tiens, celui-là, je vais en faire quelque chose. Ben, celui-là, tu te dis non, on le met de côté. Des fois, c'est direct, c'est un peu le flash, et ça va très vite. Et des fois, ben, ça peut reposer des mois, des années même, parfois. Et récemment, le dernier, c'est un texte que j'avais depuis peut-être 8 ou 9 ans. Et puis, il n'y a pas de logique, en fait. Ça vous est un petit peu à l'envie, un petit peu... ressenti des textes. On parle beaucoup du chanteur et de l'écrivain, on n'a pas assez parlé des trois autres, donc on va faire un tour de table. On va commencer par Mademoiselle Amandine, honneur aux femmes, pour nous dire depuis quand ils sont sur le groupe et comment ils sont arrivés dans ce projet d'Arcane. Alors, moi je les ai rencontrés par le biais de ce média formidable qui est Internet, et ça fait depuis le mois de septembre que je suis avec eux. C'était pas du tout mon milieu. Moi, je suis plutôt classique, variété. Le rock, je connaissais seulement sur les CD. Et c'est vrai qu'ils m'ont accueilli. Je me souviens, la première répétition, on avait tous les premières appréhensions. Est-ce qu'elle va bien jouer? Et moi, est-ce que je vais y arriver? Et puis, en fait, ça a collé tout de suite. Ça a collé très, très vite. C'est vrai que je suis la seule fille dans ce groupe, donc j'en profite, je fais des caprices. Par contre, ils sont vraiment très gentils, toujours aux petits soins avec moi, et je trouve que avec mon recul de formation classique, j'ai beaucoup appris avec eux musicalement. Ça m'a permis de sortir de mes habitudes, et ça m'a demandé un gros effort au départ, et bon, maintenant... Maintenant, j'espère encore faire des projets avec eux.